jungle est mon pays. J'ai eu 8 ans d'enfant, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et Mélo surveille, car le serpent. Et puis voici Balou, l'ours grillon, Groubidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues, longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Mais je suis là. Tu crois peut-être que tu vas tuer ce monstre avec un couteau qui date d'avant le déluge? T'es complètement stupide, mon pauvre. Tu vas te faire dévorer tout cru par ce tigre et ce sera bien fait pour toi. Ouais, ouais, ça va te faire manger. Apparemment, il n'est pas là non plus. Mais enfin, il est quand même bien quelque part. Ce tigre commence vraiment à m'agacer. Je me demande bien où il a été se cacher. Tu n'aurais pas envie que je te brise le cou par hasard? Mais pourquoi? On peut savoir ce qui se passe? Pourquoi t'es fâché contre moi comme ça d'un seul coup, hein? Je comprends pas, moi. C'est vrai, quoi, je sais rien faire après tout. Alors ouvre bien tes grandes oreilles. Je vais être extrêmement clair avec toi. Si jamais tu essaies de mentir, tu seras dévoré par les vautours avant le coucher du soleil. On est d'accord, hein? Ah, mais qu'est-ce que tu veux, hein, toi? Dis-moi où est Tabaki. J'ai dit Tabaki. Tu n'as quand même pas oublié le nom de ton chef. Mais je sais pas du tout où il est. Tu te moques de moi, toi? Alors, où est Tabaki? Mais je te jure, je te raconte pas d'histoire, c'est absolument pas où il est. Ça fait au moins 4 jours que je l'ai pas vu. Ce que je viens de te dire tient toujours. Ça risque de très mal se terminer pour toi. C'est la vérité, je sais pas où il est. Je t'en supplie, arrête. C'est qu'elle m'a l'air sincère, cette hyène peureuse. Oh. Shere Khan, est-ce que tu m'entends, Shere Khan? Où es-tu? Il n'a quand même pas pu disparaître comme ça. À mon avis, il se tient caché quelque part et il s'est arrangé pour faire disparaître toutes les odeurs et toutes les traces qu'il aurait pu laisser derrière lui. Ça veut dire que cette fois, c'est du sérieux, il ne plaisante pas. Oui, je suis sûr que c'est ce Tabaki de malheur qui lui a appris toutes ses ruses. Ce gros chat tête de tigre n'est pas assez malin pour ça. Mais dis-moi, Bagheera,
C'est quoi cette stratégie mise au point par Akela? Eh bien... il s'agit d'une attaque en tenaille dans le ravin de la Roche Noire. Oui, je vois. Là où la rivière est la plus encaissée. Et on peut voir le grand arbre. Enfin, j'espère que tu vois ce que je veux dire. C'est là qu'en plein été, on voit pousser de superbes fleurs dorées. Oui. Oui, je suis sûr que tu connais cet endroit. Oui, évidemment. Ce qui m'inquiète vraiment, et ça ne me dit rien qui vaille. Bon, et alors? À cet endroit précis, la roche est tellement escarpée qu'on ne peut pas l'escalader. Tu veux dire que c'est là qu'il faudra affronter Shere Khan? Voilà. Et on le bloquera en amont et en aval. Il lui sera impossible de s'échapper. Ça, c'est génial, Akela s'y connaît drôlement bien en stratégie. C'est formidable. Dans ce cas-là, je n'ai plus qu'à emmener les buffes pour fermer les issues. Je vois que tu as tout compris. Laisse-moi faire, c'est moi qui vais conduire le troupeau. Nous aussi, on va t'aider. Merci, mes amis. On sera au moins une vingtaine pour mener la manœuvre. La voilà enfin cette bataille. C'est drôle, mais j'en frissonne déjà de plaisir. C'est la plus grande bataille de notre vie, mes amis. Il faut absolument qu'on la gagne. Pour ce grand héros de la jungle qui était notre père, nous combattrons avec toi. Oui. Nous lutterons jusqu'au bout pour honorer sa mémoire. Bon, je vous laisse. Je serai bientôt de retour. Je vous jure que je vais le trouver, ce vilain tigre. Faites-moi confiance. Te voilà enfin. Est-ce que tu lui as communiqué mon plan d'attaque? Dans quel état d'esprit se trouve-t-il en ce moment? Il ne faut pas t'inquiéter, Balou. Il est plein d'enthousiasme. Alors, toujours pas de nouvelles? Non, toujours pas. Tu commences à m'agacer, celui-là. Bonjour, tout le monde. Comment ça va? Bonjour, Merlou. Quelque chose me dit que vous ne l'avez pas encore trouvé. Qui ça? Je veux parler de cet horrible chat à l'œil fermé au pelage zébré. Enfin, mais tu étais au courant, toi aussi. Figure-toi que dans la jungle, tout finit par se savoir. Oh, regardez-moi ça. Je vous avais pourtant demandé à tous de garder le secret. C'est pourtant ce qu'on essaie de faire. Écoutez-moi bien, mes enfants. Avant la grande bataille, on devrait s'arranger pour fournir à ce gros chat écorché une bonne ration de friandises. S'il a l'estomac plein, ça lui enlèvera une bonne partie de son énergie. C'est drôle, je n'avais pas pensé à ça. Je vous demande à tous d'apporter le plus grand soutien à Mowgli. C'est le Seigneur qui a envoyé ce garçon dans la jungle et qui lui a donné pour mission de nous débarrasser de Shere Khan. J'en suis tout à fait convaincue. Oui, il se pourrait fort bien que ce soit le destin de Mowgli. On a beau avoir une belle stratégie, on ne pourra rien faire tant qu'on n'aura pas retrouvé l'acteur principal. Il m'agace, ce gros tigre. Bagheera, je sais où se trouve ta maquille. Qu'est-ce que tu racontes? Où est-il? En aval de la rivière, je suppose que tout le monde connaît le grand arbre. Quoi? Tu as bien dit le grand arbre? Hein, pourquoi? Formidable. Et attends un peu, ne pars pas comme ça. Un petit peu plus haut en amont. Et il y a une cavité dans la roche, c'est là qu'il est. Oui, j'ai compris. Trop d'endroits pour se cacher. On aurait encore pu le chercher longtemps. Dans cette grotte. Je vais prévenir les autres sans plus tarder. Et moi, je vais rester ici pour le surveiller. Il ne le perd surtout pas de vue. On a retrouvé Shere Khan. Il se cache dans cette grotte creusée dans la falaise qui domine la roche noire. Alors comme ça, tu l'as retrouvé?
Non, pas moi, c'est Taï Bagheera. La grotte est située un peu en contrebas du grand arbre. Tu as bien dit le grand arbre. Ben, tu ne pouvais pas espérer mieux. L'attaque aura lieu demain, à l'heure où le soleil frappe le plus fort sur la tête. Bagheera te rejoindra au petit bois de bambou dès ce soir. Tâche de t'arranger avec tout ça. Je te dis à très bientôt, Mowgli. Je vais pouvoir prier pour que tu réussisses. C'est très bien joué. Ce tigre vorace est tombé en plein dans le piège. Ah, voilà qui est vraiment d'excellente augure pour demain. Il aura l'estomac tellement plein qu'il aura autant de mal à se déplacer que ces cochons sauvages. Je me demande si Mowgli et les autres font bien tout ce qu'ils ont à faire. Oh, oui. Demande vraiment ce qui me fabrique. Mais calme-toi, Balou. Ce genre d'excitation est mauvais pour la santé. Oui, en plus, n'oublie pas que Bagheera et les autres sont avec lui. Alors, s'il te plaît, un petit peu de patience. Dis-moi un peu, Tabaki, qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Les buffles sont sûrement venus faire une petite trompette, on ira voir ça demain. Halt!
J'aime savoir quel est l'inconscient qui ose me déranger dans ma digestion. Je suis Mowgli, le fils du père loup. Et je suis venu ici pour te tuer. Je suis venu moi aussi pour venger mon père. Je ne fais qu'un avec mes frères. Arrête, tu me fais mourir de rire, espèce de petit singe chevelu. C'est moi qui t'attendais, figure-toi. Je veux finir avec toi. En fait, je n'avais pas encore pris mon dessert. Tout tombe très bien. Attendez, mes amis. Je veux livrer cette bataille seule avec mes deux frères. Tu permets, Akela? Bon, très bien, je peux comprendre. Ce combat est le tien, Mowgli. C'est ton cœur qui décide. Tu as le droit de le mener à ta guise. Tu vas voir un peu ce qui va t'arriver. Tu as eu l'audace de vouloir m'affronter. Tu as eu tort, Mowgli. C'est terminé pour toi. Jamais de lui porter le coup fatal.
jungle et mon pays. J'ai eu 8 ans d'enfant, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Aimez le surveille, car le serpent. Et puis voici Balou, l'ours grillon, Groubidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues, longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli.